Fantexas pour le pétrole. Salut à tous les amis, ici Fantexas pour le pétrole. Yeah, exactement. Le pétrole, Juliana. Nous avons trouvé un filet au fin fond de notre belle prairie du Texas, là où nos travailleurs, non pas du tout immigrés, mais complètement payés, ont réussi à extraire ce précieux or noir. Exactement. On se parlait plutôt en Louisiane. Hein. Ça, on fait vraiment mal l'accent texan. Ouais, mais le voilà. Pire, c'est que tu l'avais bien fait. Non, parce que pour la magie du montage, je pense que je vais laisser là où tu me donnes l'exemple, où tu me donnes l'idée, en fait. Et que après, que mon imitation de toi, juste après, encore plus pourrie, quoi. C'est énorme. Exactement. Mais la fin, je suis en train de pomper. Non, je suis en train de pomper le pétrole. Je suis en train de pomper le pétrole, là. Là, le pétrole, il me bouffe tout cru. Je le fais tellement mal. C'est une catastrophe. Ah, putain, c'est quoi, ah, pourquoi il veut plus ah. Ça. J'ai l'impression, one way block. Ok, bizarre. C'est ça. C'est comme dans une vidéo que tu m'avais montré, comme ça, il y avait une grosse blague, le gros stéréotype bien raciste, bien horrible, avec l'accent et tout ça, et puis derrière, je suis un noir, et j'approuve cette blague. Ouais, non, c'est Clash of Jackie, si vous connaissez pas Clash of Jackie, salutations à toi, et j'aime beaucoup. Ah, m'a fait rire. Je suis un chinois, et j'adore cette blague, et j'approuve. Ah oui, c'est ça, je suis chinois, et j'approuve cette blague. Le clash des photographes. Putain, il veut pas. Voilà. C'est ça. Du coup, j'ai pompé la pétrole. Boom, tout va bien. Pourquoi il veut pas me faire voler? Pourquoi je vole plus? Parce que tu n'es pas transformé, Fanta. Ah, parce que. Ouais, bah oui, je. Putain, mais non, la fatigue. Alors moi, je mets Fanta. Ah oui, alors là, t'es bien. Là. Si tu bats des bras très très vite, Fanta, tu ne voles pas. Ça ne marche pas. Les physiques ne fonctionnent pas ainsi. Newton se retourne tellement dans sa tombe, il fait ventilateur. Là, c'est pas. Ouais. Newton. Ah putain. Tu sais, j'avais découvert dans Cosmos que Newton a passé une partie de sa vie à essayer de décoder la Bible de manière scientifique, savoir s'il n'y avait pas un code secret. Mais bien sûr, mais il faut savoir que c'était un hobby à l'époque. Beaucoup de gens passaient leur temps soit à décoder la Bible, soit à tenter d'expliquer rationnellement la Bible. Je ne sais plus qui disait cette phrase qui lui a valu les foudres de l'Église et du roi de l'époque. Je ne sais plus, c'est peut-être Descartes. Enfin, je dis Descartes pour qu'on se souvienne comment l'écrire correctement, mais c'est Descartes, hein, bien sûr. C'est peut-être lui. J'ignore, je ne pense pas que ce soit lui. Je ne sais pas. Serait-il qu'il y en a un d'entre eux qui est allé voir le roi et qui, après une longue explication, fait « Et voilà, sire, l'explication mathématique qui prouve que Dieu existe. » Mais bien évidemment, la magie des mathématiques, monseigneur, fait que si vous le désireriez, je pourrais vous prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Et là, en disant cette petite phrase comme une vanne, je connais pour cette dire, phrase. Tu peux dire par A plus B, tu peux prouver que Dieu existe, mais par A plus B, tu peux aussi prouver qu'il n'existe pas. T'as le clergé, t'as l'archiduc, t'as le roi. Je crois qu'il a pas dû apprécier. Ah bah il s'est fait lâcher derrière. Enfin, je pense pas que c'est Descartes. Parce que Descartes lui était persuadé de l'existence de Dieu. Académiquement, il s'est fait déglinguer derrière. C'est sûr que académiquement derrière, ça a été le passage à vide. Tu vois ouais. Mais bon, ça forcément. À l'époque, ça ne se disait pas. C'était assez moche, fallait pas. C'était pas très très propre. Hein. On ne doute pas, s'il vous plaît. Ou alors on doute, mais intelligemment. Le doute qui était permis à l'époque, c'est est-ce qu'il a bien voulu dire ce qu'il a dit? Voilà. Eh ben moi, tout ça pour illustrer que je me disais que parmi les trucs super intelligents que Newton avait découvert, bah, qu'il avait fait des trucs cons quand même. Ouais, oh, je sais pas. Si, peut-être. Après, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique, c'est de l'essai. Pourquoi pas, écoute. Hein. Et puis le Da Vinci Code, c'est une belle fiction. Oui, c'est une fiction. Oui, bah évidemment que c'est une fiction. Ah, mais il y a des gens, ils prennent ça pour argent comptant. Hein. Mais c'est un livre, ils le disent. C'est comme les mecs sont là, ouais. Oui, mais tu sais, comme les meilleurs livres, tu sais, tu mets un petit peu de vérité dedans, dans du roman, et ça leur donne du crédit, tu vois. La Bible, le gars qui troll jusqu'au bout, tu sais. Dans la Bible, c'est un contenu. C'est les fables de La Fontaine, c'est la leçon qui est importante, pas le récit, faut pas déconner. D'un point de vue chrétien, le verbe, enfin le mot en lui-même n'est pas la vérité dans la Bible. C'est le verbe fait chair. Dieu merci. C'est le Christ.
Dieu merci, je suis athée. Voilà, c'est ouais. Et tout, il n'y a pas d'explication plus rhétorique que ça. Mais dans l'absolu, je me disais que oui, c'est... Et les gens qui sont là, ouais, le scénario d'Assassin's Creed, oh, trop réel, Hitler, il avait la pomme. Mais il n'y a pas de pomme magique, les mecs, arrêtez-vous, 5 secondes. Il n'y a pas de matériel ultra magique of doom de l'apocalypse qui permet... Il n'y a pas d'Indien qui a planqué du matos ancestral qui vient d'une civilisation d'avant, les mecs, s'il vous plaît. Aussi, sûrement. Plaît. Mais on l'appelait Robert, il vivait trop. Oh non, mais malédiction quoi! Oh s'il vous plaît! Non, non, la seule chose que les Indiens ont réussi à planquer, c'est les couvertures. C'est... Alors toi, tu penses, ouais, t'as trouvé la source du coup? Ouais, bah juste au nord, enfin juste au-dessus. Ouais, parce que j'arrive pas à la voir. Okay. Je suis en train de la pomper allègrement d'ailleurs. Hein. Là, tu vois, c'est là. Hein. Faut... Dès qu'il y a un cube qui est un peu au bord et t'as l'impression que le pétrole vient de là, il faut pépon. Faut pépon, parce que moi, il veut pas. Hein. Il veut pas. Ah bah j'ai tout rempli, putain, oh le mauvais. Ah, c'est t'as Corbier qui disait, c'est comme dans la vidéo JDR, enfin JDG pardon, vidéo JDG, on voyait Corbier qui était là, chanson du pompier qui repeint son pont, pas un pont, voilà, c'est, ça marche. Corbier. Après t'as la chanson du pompier qui fait des pratiques, et bien son droit est, hein, c'est légal, hein, homosexuel, c'est pépon. Hein. Attends, c'est très con, mais... oh ça va, c'est de vanne, j'en profite, c'est gratuit. Et d'ailleurs s'il y a des pompiers dedans, je respecte. S'il y a des pompiers qui nous regardent actuels, même s'il y a des pompiers gays, hein, j'en ai rien à foutre, je respecte complètement. Je respecte le métier de pompier. Hein. D'ailleurs ça me, il y a un truc qui me révolte, mais me révolte grave. Hein. C'est révolte, je vais dans la rue et je brûle des cactus. Hein. Dans les cactus, carrément. Carrément, c'est plutôt que de prendre le cactus pour le balancer sur la tête d'un mec. Moi je t'attends brûle. Parce que c'est bon, hein, il reste le prochain plein, c'est le bon. Bon bah très bien, je brûle des cactus, hein, c'est direct. C'est quand t'as le SAMU ou les pompelards qui sont attaqués. Ah ouais, il faut être con quand même. Ils se font agresser, mais faut être con pour attaquer un camion de pompelards ou un camion de SAMU. C'est très con de ma part, mais les flics, allez, d'habitude, non, j'ai envie de dire non, si t'as le mérite d'être honnête, d'être à peu près correct dans tes bottes, d'être droit, si t'es respectable, tu seras respecté, t'as rien à craindre des flics, éventuellement, désagrément de te prendre un PV, je veux bien qu'il y ait le ressentiment, mais t'as pas de raison de leur balancer des chaises à la gueule, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour ça, d'ailleurs, en plus, ça va te desservir, dans l'absolu, mais, le truc, c'est, pourquoi attaquer des pompelards et une ambulance. Enfin, le SAMU. Je sais pas, pour le plaisir de faire chier. Foutre la merde ! Foutre la merde ! Faut être un cas social de catégorie 9. Ouais, il y en a pas qui foutent la merde. C'est l'ennui, hein, la plupart du temps. Hein, qui et je faire peux... des conneries. Hein. Je peux comprendre qu'on puisse considérer les flics comme une menace, quelque part, même si non, parce que moi, je suis un honnête gens, donc j'ai aucun problème. Bah, une menace, je sais pas, on vit pas dans un... Oui, j'en sais rien. Je sais pas, non, absolument pas, mais tu sais, j'en sais rien. C'est des mecs armés qui représentent une figure d'autorité. Donc forcément, il y en a qui supportent pas ça. Donc ça part en sucette, ça a toujours été ainsi. T'as vu qu'il y avait des batteries portables si on voulait pas le brancher, le machin ? Réfinerie, batterie slot. C'est pas des batteries, c'est des piles. On peut créer des piles. Il faudra un moment, parce que on n'aura pas moyen de générer de l'électricité magiquement à partir de l'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, d'accord. Du coup, on pourra sur place. On pourra sur place. Ah, et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on parte avec du pétrole aussi pour là-haut, non ? Si on veut partir, ce serait l'idéal, mais a priori, je sais pas. On essaiera. Écoute, moi, je me rappelle qu'à cul de cochon, enfin à d'autres cochons, on a failli atteindre l'espace, hein, la dernière fois avec le trail mix. Si on arrive à redescendre de l'espace avec le trail mix, moi je dis c'est la fin de cette émission parce que c'est tout. C'est tout. Et l'épisode il a 8 millions de vues minimum, tu vois. C'est juste pas possible sinon. Vous laissez tourner la nuit. C'est ça, c'est illégal. Si on fait ça, c'est vous arrangez juste pour que ça marche. Je veux même pas le savoir. L'épisode il dure 20 secondes, c'est nous qui redescendons, vous regardez tout 30 fois. Même par pas jour. Vous le pendant un mois. Là, du coup, normalement, il devrait se remplir de précieuses énergies. Très bien. Oui. Il a une précieuse énergie. Bah écoute, tu veux qu'on comprime le propergol ? Ouais, il faut des tanks pour ça, non ? Des réservoirs ? Aucune idée. T'es prêt ? 3, 2... Bah, il va pas vouloir. Bah, ouais. Appuie. Vas-y. Refine ! Ah si, refine. T'as raison. Ça y est ! Ça convertit le propergol ! Excellent ! J'utilise propergol au pif, sans doute, depuis tout à l'heure, mais... merde, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté de refiner ? Stop refining. C'est bon, ça refine.
Ça y est, fine. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, malheureusement. Ah ouais, parce qu'on voit rien sur la droite, là. Ah si, mais si, ça avance. Si, si. Comment tu raffines... Si, il faut aller dessus. Comment tu raffines du pétrole, Fanta ? Tu fous le feu ! Non, ça, comment tu le crames ? Mais comment tu... Question. Autant j'ai compris le concept du moteur à explosion. Raffinerie, je sais pas. Bon, bah déjà, t'enlèves les impuretés d'une manière ou d'une autre. J'imagine qu'il y avoir une série de produits chimiques qui doivent t'aider à faire ça. Ouais, ou de décantation, ou de méthode. Mm. Pas des incantations, hein, de la décantation, c'est quand tu laisses les choses reposer. J'explique au cas où. Non. Mais si tu veux, je vais regarder tout de suite Google ou on laisse les gens le faire à notre place ? Soit on laisse les gens le faire à notre place, soit on attend qu'un des mecs dise putain, ils sont tous allés sur Wikipédia, ils disent de la merde. Moi, ça fait 10 ans, je travaille dans une raffinerie. Alors, je peux vous le dire. Puis voilà, puis après, il nous parle de bon, de bah, tout le reste. Si vous aussi, vous êtes curieux, allez voir Wikipédia. Nous, on lance le débat et on va arrêter d'en parler parce qu'on ne sait rien. C'est ça. Mais c'est... moi, ça m'intéresse. L'idée de savoir m'intéresse parce que c'est important. C'est important. C'est un élément qui est défini. Et ça va prendre un temps infini, ça. Il sent notre culture. Exactement, ce qui fait qu'on peut se concentrer à autre chose. Ouais, ça, c'est tout à fait. Du coup, aujourd'hui, il nous faut un. Ah, c'est pas du proper goal, c'est rocket fuel. Ok, bon, c'est pareil. Merde, c'est du proper goal. On appellera ça du proper goal. Tu dis proper goal et tu laves ces mots sales de ta bouche. Proper goal. Voilà, très bien. Donc, c'est le proper goal chez nous. Voilà. Alors, un oxygène collecteur, j'ai l'impression qu'il va nous falloir. Oxygène, il nous faut. Alors, pour un collecteur d'oxygène. Bah, c'est facile, ça... bah, avec too many items. Alors, attends. Oui, bah, bien sûr. Merde, t'as c'est pas le bon. T'as raison, Gilbert, t'as raison. Mais là pour le coup... Merde, j'ai pas les options. Ah si. Oxygène collector, je l'ai. Alors, il nous faut une canette en comment ça s'appelle ? Une canette en étain, ça c'est facile. Ouais, ça en a. Il nous faut de l'aluminium comprimé, ça c'est facile. Bon, il nous par contre, il nous faut un concentrateur d'oxygène, t'as vu ? Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Il nous faut des oxygène vents, ok. Oh là là. Il me faut de l'acier et il me faut du compressé d'aluminium. C'est bien, j'en ai fait 64, j'ai été prévoyant. Ok, je retourne sur le truc. Attends, non, c'est compliqué à faire hein, un oxygène collecteur. Il en faut, hein, il en faut. Mais il nous en faudra. Il nous en faudra. Donc il nous faut de l'acier comprimé. Donc j'en mets 1, 2, 3. Puis je vais en faire 2 des oxygène collecteurs parce qu'en cas fait, on va doubler. Ok. Ensuite. Bah oui, parce que deux fois plus, hein, tout en double, Fanta. Ensuite, il me faut deux de... Je viens de voir qu'il nous faudra des tuyaux en verre, et donc ce que je vais faire, je vais aller faire cuire du sable, parce qu'on en a excellent pas. Excellente suggestion, Fanta, je soutiens de tout mon cœur, de toute mon âme. Puis quand tu commences à réunir les idées d'éléments, bah, je viendrai pour que tu nous montres. Il me manque donc de l'aluminium, mais pas en plaque, il m'en faut en barre. Or, en barre, j'ignore si... Enfin, de l'étain, pardon. Or, il m'en faut en barre. Et de l'étain en barre, j'ignore s'il nous en reste. J'espère juste que les larbins ont réussi à en récupérer certaines quantités. Je pense que d'ailleurs, avec le pulvériseur, tu arriveras à doubler un peu pour l'étain. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai été bien prévoyant de le placer, celui-là. J'ai pas été con, j'ai bien prévu mon coup. Je suis plutôt content. Du coup, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Voilà, attends, hop. C'est quoi, ça ? C'est rien. C'était de l'instantané, hein. C'était du slam. Slam. Alors, s'il te plaît, Bob, tu respectes la culture du slam. C'est une musique comme une autre, ok. Non. Renaud faisait bien du slam. Voilà, c'est dit. C'est tout. Les seuls trucs slam à peu près corrects de Renaud, c'est la Star Academy. Et là encore, je parle très très mal parce que lui-même, Renaud, il était là à ses concerts. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent les musiques, c'est bidé. Mais qui c'est Renaud ? Mais de quel Renaud tu parles avec Star Academy ? Renaud, le chanteur. Mais il n'est jamais été à Star Academy, Renaud ? Non, mais ses musiques ont été reprises. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il disait, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? D'où t'as ces minots et ces trois puceaux qui chantent sur mes musiques ? Il a sombré dans l'alcool. Ouais, bah écoute. Hein, après ça. Bien sûr. À cause de ça. À cause de ça. Star Academy, c'est pas bon. Ah, mais moi, Jérémy Châtelain, tout de suite, j'ai bu. Je me suis mis à fumer. J'ai arrêté le sexe. Tout arrêté. Mais ça au pif, on s'en fout. Alors, puf. C'est entre pas important et peu important. Du coup. Je sens que je vais en énerver en disant ça, j'ai rien à péter. Du coup, mais non, la Star Academy, ça n'existe plus depuis des années, tout le monde s'en fout. Si, ça existe sur Energy 12, mais enfin, tu vois, émission rabais, c'est les mecs qui regardent ça en plus de Nabila, et ils n'ont pas le niveau, quoi. Ça fait longtemps qu'ils ont décroché la série.
cheap. Pas la note. Tac, 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 je récupère tout le bon bordel délicieux du péridote, je repose les rubis. Fanta, est-ce que tu pourrais me faire une faveur? Oh putain, non. J'ai sauté, j'aurais pas dû. Comment ta femme? Non, pas ce genre de gâterie, rassure-toi. J'aurais besoin que tu fasses clic droit avec le bâton de commandement sur un coffre vide que je vais entreposer. Ça y est, on a trop d'espace, pas assez de... Ok. Trop d'espace. Entendu, Lennon. J'arrive. Merci. Mais c'est juste parce que voilà, j'ai besoin donc de que tu vides, que, t'es, que tu es. Tu continues à les faire creuser en dessous ou pas? Non, ils ont les poches pleines là. Ah, parce que oui, les miens ils sont là. Ouais, attends. J'ai juste besoin qu'ils les vident parce que je suis persuadé qu'ils ont des précieuses ressources, mais qu'ils ne les lâchent pas parce que c'est des radins. Ils ont été à bonne école. Voilà, là. T'es où? Sur le coffre, devant toute la maison. La maison, notre maison quoi, chez nous. Tu veux que je fasse un clic droit avec ça là-dessus? Un clic droit avec le bâton magique. Celui où t'es dessus. Et où je suis dessus. Je crois que ils sont trop loin. Il n'y a plus loin. Ah, oui, ah non, ils arrivent. C'est vrai que j'avais oublié, je pouvais manger de l'herbe, c'est pratique ça. C'est les miens qui arrivent là ou c'est les tiens? Ah, c'est les tiens, j'ai pas commandé aux miens. Je prends tout ce qui est le. Voilà, l'or. Enfin, le les matériaux. Paf. Fais voir un peu. Ils ont rien mis dedans. Donc attends. Ils ont pas fait clean. Là, ils ont fait Yes Master. Mais ils ont rien mis dedans. Renvoyez Dig une mineshaft hein, quelque part. Et Dig Donden. Hein. Et Dig Donton, j'ai envie de dire. Putain, je balance des références, ça veut rien dire. Ah, écoute, Bob, on a besoin de vacances. Ouais, c'est ça, hein, c'est la violence. Hein. C'est la violence d'un homme. Ah, attends. Il y en a du cobble à pucer quoi en poutre, il y a des lits, il y a des os, il y a tout ça, il y a des pailles. Allez, on va renvoyer les gamins au charbon. Allez, les enfants, ça fait des petites mains. Et attention au coup de grisou. Voilà. Le vieux salaud, tu sais. Lui, je vais l'appeler Cosette. Lui, Cosette. Et lui, afin de ne pas être raciste, on va l'appeler Jean Karim. Voilà. Le truc trop con. Ah, putain. Parfait. Et ben, Cosette, Gavroche et Valjean. Allez, c'est parti. Ok, ben ça creuse. Ça creuse. Bon, voyons voir. J'ai toujours pas d'étain, je suis inquiet. Hein. L'étain, on n'a pas trouvé ou peu. Ah. Quelque chose qui se fond. Bah, t'es obligé de piller la maison Aurélienne, tout à l'heure. Ouais, où est-ce qu'il en reste? Il l'a pas fait péter? Non, je crois qu'il y a les piégés. Tu veux qu'on aille essayer de titiller Bah écoute, oui, dès que j'ai mis tout le matériel à fondre... On va titiller ses pièges pour voir. On va l'avoir... On va voir si c'est solide. On va voir s'il est solide un peu le minot. Ok, donc ça cuit. J'ai peut-être du charbon là, je vais le prendre. Je suis content, j'ai dosé Street Fighter 4 tout le week-end aussi. Ah bah écoute, tant mieux pour toi. Ultra Street Moi je cherche Fighter. Un bon jeu, je trouve pas. Je voulais presque essayer un MMO, mais bon, tu sais, 15 jours du mariage et puis les 15 jours. Ah ouais, effectivement, il y a un risque, disons. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut en trouver un bon et puis j'ai pas envie de payer un abonnement alors que je vais pas y jouer beaucoup. Quoi. Ouais, c'est. Là, il y a Archedge qui va sortir en free to play. Je vois, j'ai failli me mettre à Elder Scrolls Online, mais a priori, d'après des gens qui sont encore dedans, c'est trop tôt pour se mettre dessus. Il y a des trucs à changer. Il manque certains types de. Il manque un système de justice et une guilde de voleurs, si j'ai bien compris, avant que ce soit vraiment intéressant. Après, les avis sont divergents. Hein. Ceux qui sont dedans, ils sont dedans. Hein. Oui, bah écoute, toujours, hein, c'est pour ça. Mais sinon, j'ai installé World of Warcraft, mais bon, ça me dit rien. Tu sais, j'ai toujours mon contactis chez Eve aussi. Hein. Ça, c'est pas prêt de changer. Hein. Mais j'ai pas trop envie d'y. J'ai pas le temps d'y jouer en fait. Le mec blasé quoi. Les amis, donc le crash qui a fait chier. Donc, comme on disait, les MMO, c'est chacun un petit peu son style. Et du coup, ils m'ont remis le bon skin, ça c'est cool. Mais je fais que récupérer de l'aluminium. Et puis aussi, il y a des indicateurs. A priori, ils ont mis des trucs dans le shop de Elder Scrolls Online qui laisseraient peut-être supposer qu'ils envisagent un modèle free-to-play. Donc, ça, personnellement, comme beaucoup, je vais attendre. Voilà. Bon.
Et en attendant, j'essaierai peut-être un peu WoW, j'ai jamais essayé, hein, depuis le temps qu'il est sorti. Cela dit, j'ai essayé Arch Edge avant WoW, et du coup, quand j'ai vu le système de quête de WoW, je me suis dit, oh putain, quand même, il est vieux. Oui, j'accorde que c'est vieux, mais Mais il a du charme, hein, il a du charme. en même temps, je fais partie des fous furieux qui lisent toutes les quêtes, moi. Donc, Ah oh, ouais. j'étais content. Il y avait du lore, hein, putain. Ouais. Non, il a du charme, oh, c'est surtout le bestiaire, quoi. Le bestiaire, les voix. Il faut ça. Il y a des comme ça, il y a des compagnies. Tu sais, il y a des. Bizarre, c'est une compagnie qui fait des chefs-d'œuvre, quoi. Ils enchaînent, quoi. Ils font que ça. C'est vrai, c'est Ils vrai, en c'est font vrai, pas c'est vrai. beaucoup, mais quand ils sortent, c'est au poil de cul En près. même temps, ils capitalisent pas mal, hein, leur Heroes of the Storm, là. Ouais, mais Il ça va marche. marcher. Eux, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un truc avec le destin, le karma, ou je sais pas quoi, Oh, mais bah, ça va marcher, Heroes of the Storm. peut-être qu'ils ont juste compris, je sais pas. Mais je sais pas si Heroes of the Storm est déjà sorti, j'ai un Non, doute. non, il est en bêta. D'accord. Ouais, je sais pas. Mais j'avoue que Hearthstone était addictif, simple, mais Ouais, addictif. bah, j'y joue encore. De temps en temps, je le laisse parce que j'en ai marre, mais j'y retourne toujours avec plaisir. Moi, je comprends parfaitement par contre ce que disent les gens qui sont là. Ah, bah, Hearthstone, c'est quand même simple. Moi, je joue à Magic depuis 10 ans et tout. Oui, bah oui, tu joues à Magic, évidemment, que c'est la simplicité la Ouais, plus mais absolue. Magic, t'as tellement d'extensions, t'as tellement de cartes, alors que... Bah oui, mais voilà, c'est pour ça. C'est comme jouer à la bataille stratégique de la Folie of Doom. C'est comme, en fait, Rome Total War, où, voilà, où t'as 10 000 Ouais. unités, faut les gérer, et Street Fighter, où t'as ton mec, tu vois. Ouais, mais c'est pas seulement ça, c'est que Ouais. ce qu'il y a, c'est que dans Hearthstone, du coup, globalement, tu sais selon les classes que le mec il va jouer, parce que tout le monde à peu près connaît les cartes de tout le monde. Alors ça, c'est un truc. Oui, pardon, je t'en Ouais. prie. Et donc, du coup, ça te permet d'être un petit peu plus prévoyant. Ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que tu connais beaucoup plus facilement ton adversaire que dans Magic, tu peux facilement te laisser surprendre, tellement il y a une infinité de cartes depuis le temps. Je pense qu'avec le temps, Hearthstone, et je l'espère, aura suffisamment de cartes pour que les decks soient moins formatés. Et ça, c'est assez frustrant. C'est les mecs qui ne réfléchissent pas trop et qui prennent le deck du moment. Tu vois, celui qui leur a trop défoncé la gueule, parce que ça fait 10 mecs qui voient toujours avec le même deck et qui se font défoncer avec, donc qui vont prendre le même. Tu vois, je trouve que dans Hearthstone, il y a un formatage des manières de jouer. Tu vois, c'est rare qu'il y ait un mec qui se pointe et puis qui dise, ouais, ben voilà, ben, je vais tenter cette stratégie, c'est du jamais vu. Non, 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 c'est le mec qui va te proposer une stratégie, elle a été vue 1000 fois, quoi. Moi, quand je fais mon deck, généralement, je vais pas regarder à gauche, à droite, mais il y a toujours des mecs pour me faire le son. Ouais, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, troisième tour ci, troisième tour ça. En fait, toi, là, t'es obligé de jouer d'une certaine façon, et ça m'énerve, ça m'énerve. Ouais, c'est Manque vrai, je suis d'accord. d'originalité, des fois, dans la manière de jouer, mais ça, c'est caractéristique des gens qui réfléchissent pas trop, hein, à mon avis, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, que beaucoup Et je de. vous troll méchamment parce que vous m'avez fait chier. Enfin, pas vous personnellement. Ah Mais du coup, Et voilà, du mais coup, je. Hearthstone, voilà, je le mets dans la catégorie mauvais fucking petit rageux. C'est plus des jeux que, c'est plus des vidéos que je ferai en vidéo. C'est un jeu pour moi. Voilà pour dire que Bizarre, c'est quand même la petite machine à chef-d'œuvre et que bah, j'aimerais que Hearthstone soit moins formaté. C'est vrai que c'est chiant d'avoir toujours les mecs avec les mêmes decks. Après, au fur et à mesure que tu. Dans Hearthstone, je ne sais pas si tu as remarqué, au fur et à mesure que tu augmentes dans les classes, dans les niveaux, tu vois toujours les mêmes decks, mais pas au même niveau. Ça veut dire que les mecs qui se plaignaient de voir toujours des decks aggro, c'est des mecs qui sont coincés toujours au même endroit. Quand tu vas un petit peu plus loin, tu les vois plus, parce que c'est des decks qui tiennent pas la distance. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai, pas vrai. Et au final, je pense que quand tu dois arriver dans certaines classes, tu dois toujours voir les mêmes, quoi. À mon avis, tu vas avoir des mages, tu vas avoir de. Tu vas la LOL, Non mais quoi. c'est du palalol. T'es salty sur le palalol, je sens. Il m'énerve. Il est salty palalol, je Parce sens. que Mais j'ai un non. deck qui commence à être solide et que je pense qu'il est original en chaman. Et les palalol, j'ai du mal avec. Voilà, je suis salty. Point taken. C'est Mais les c'est larmes du fanta. les larmes d'un fantôme. Écoute, c'est valide, c'est valide, c'est valide. Tu fais Le quoi truc du c'est coup que. toi de ton côté là? Eh ben, depuis tout à l'heure, j'ordonne à mes larbins de creuser et de déposer toutes leurs ressources dans les coffres, parce que malheureusement, il est impossible de trouver de l'étain. Bah écoute, on va être obligé d'aller voler dans la maison à Reliant et je te propose même d'y aller comme ça, on va finir l'épisode en beauté, on va la faire partir en flammes sa maison. Il paraît qu'il a mis des pièges, on va essayer de bien bouffer, de la regarder exploser sans
mourir. Et par contre, je sais pas du tout où il est parti disparaître. Parce qu'il a changé d'endroit hein, depuis longtemps, lui. Aucune idée. Hop, flap, 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 je flappy flop. Donc, Rolien, c'est un ami avec qui qu'on a invité sur le serveur, puisque l'idée du B-Team, c'était la sienne. Et donc on va faire péter la maison Araliant. Voilà, très on a relancé le serveur parce que j'arrêtais pas de cracher, j'en ai marre. Non mais tout va bien. Je vais partir à la carte, bam. J'ai pris le proto-canon. J'ai pris la TNT. Ouh, c'est pas con. C'est parti. Allez, il est où? Il est où Afflelou? Ouais, donc Araliant, voilà, il est invité, on tourne pas avec lui. Je vais lui donner les clés pour qu'il puisse tourner, nous, pendant qu'on se part en vacances. Oh, bah très bien. Excellente idée, excellente suggestion. Voilà, je prends mon dragon. Hein. Et comment si je crache encore, les amis, ce sera pour vous dire au revoir le prochain, parce que là, je commence à être fatigué. Des fois, il y a des gens qui Des fois, il y a des jours sans, je vais un jour avec. Comment il se la pète avec sa maison, lui? Ah, oh, elle est où, sa maison? C'est là où c'était, avec les roses, tout ça? Ah ouais, bah, monsieur a fait du changement, quoi. Flap, 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 fais voir un peu. Fais voir un peu le bousin. Wouah! Mon dieu, la révélation. Oui, j'allais dire, les amis, que Bizarre fait des jeux géniaux. Bah, c'est complètement entrecoupé parce qu'on continue nos conversations entre deux crashs d'ordinateur. Exactement. Et en fait, je disais qu'en plus de Bizarre qui fait des jeux géniaux avec une patte complètement à part et machin et tout, il y a Capcom. Et là, Capcom, Bob vient de dire la révélation ultime. Vas-y, dis-le. Bah, Capcom, c'est Luc Besson, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y avait des chefs-d'œuvre, et puis maintenant, c'est un peu la paresse. Genre, ils auraient pu faire mieux. Le scénario est foireux. On sent que c'est le numéro Taxi 4. Mais bof, c'est marrant quand même. Ouais. C'est ça. Ça reste quand même au-dessus. Très joli. Il, hein. Il a un truc de peinture. Il a des pots de peinture. Comment et bah, c'est très, très, très impressionnant. Sa maison est extrêmement belle. Il utilise un style de bois que je connaissais absolument pas. Il utilise les ronds pour y mettre après des trucs. Oh non, mais il est vraiment doué. C'est très, très impressionnant. Les mecs, vous voulez des cubes? Bah, là, c'est fait. Red j'ai juste Bark. Pas le niveau. J'ai juste malheureusement pas le niveau. Oh, attends, t'as vu, je crois qu'il utilise un peu le créatif. Je vais prendre un peu de bois, c'est pour faire du charbon avec. Est-ce que tu peux peindre? Re les amis, avant que ça crache une dernière fois, c'est vraiment pas le jour et on est navré. Là, il y a eu au moins 6 crashs en moins de 10 minutes. Ça devient vraiment injouable. On va devoir conclure l'épisode, mon petit Bob. C'est sublime ici. Regarde ce que j'ai fait. J'ai utilisé son mix de peinture. Hop, je pose le pot. Je prends une paintbrush. Je trempe la paintbrush et peignons les murs en rouge. Saccageons la maison de rouge. Reliant est bien mignon avec tout son armée, il est foireux. Il faut peindre la maison en rouge. Voilà. Et peignons les murs en rouge. Je suis en train de pourrir écris sa baraque. Écris un B là pour Bob. En attendant, si ça va couper, les amis, on vous dit tout de suite au revoir et on va laisser Bob taguer la maison de Reliant comme ça, sans aucune forme de pitié. Exactement. Et on reconnaît l'architecte hein, quand même. Hein. Bon, je fais pas. Une bite! Voilà!